aujourd'hui, on se retrouve pour un relooking de meubles. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, donc je suis trop contente. Vous allez voir, le changement, il est radical. Donc, c'est un meuble que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. C'est tout en bois, je crois que c'est du chêne même. Il a deux portes avec du verre et j'ai aussi deux étagères. Donc, on va le relooker pour lui donner une seconde jeunesse. Pour le ponçage, j'avais deux modèles de ponceuse. J'ai fait ça chez mon père, donc du coup, j'avais un peu plus de matos que prévu. Donc, j'en ai une pour les coins qui vient de chez Action. Et une autre un peu plus robuste pour faire le restant du meuble. Alors vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux, hein, vous pouvez très bien faire les coins du meuble à la main. Mais j'ai trouvé que cette action était super pratique pour changer le papier. Parce qu'en fait ça se scotche, donc c'est hyper simple, hyper rapide. On aura aussi besoin d'un support dur, vous allez voir pourquoi. De papier pour poncer. Ce que j'ai pris c'est du 80 dans mes souvenirs. Et une petite boîte, regardez comment elle est trop mignonne la boîte, elle est toute choupie. Ou un sac pour y ranger en fait toutes les petites vis, les petites choses qui se perdent. Il faudra aussi retirer les poignées de porte, les gonds, les charnières, tout ce qui peut gêner le ponçage et la peinture. Et j'ai donc retiré le verre de la porte que je n'ai pas utilisé parce que je n'ai pas forcément aimé la couleur vu que je vais le repeindre en blanc le meuble. Blanc et jaune, c'est pas forcément ouf. J'ai donné ça à mes parents et on va remplacer ça par un petit tissu, vous allez voir dans la vidéo. Donc ce verre était tenu grâce aux baguettes. Du coup, je les ai gardés pour faire tenir ce tissu par la suite. J'enlève alors les stickers, tout ce qui est adhésif qu'il y avait sur les étagères. Je sais pas pourquoi il y avait des stickers, c'était vraiment... pas ouf du tout. Et attention, petit moment ASMR. Ensuite, je passe au ponçage. Alors, si vous avez une ponceuse comme la mienne, je vais vous faire un mini tuto sur comment changer de papier. Donc moi, c'est une ponceuse qui est assez vieille. Je ne sais même pas la marque d'ailleurs. Alors, ayez toujours un papier d'avance comme patron. Donc, vous le positionnez sur le papier. Vous découpez au cutter les contours, en fait, avec le patron. Et mettez bien un support dur afin de ne pas abîmer votre table ou votre plan de travail. Donc moi, je l'ai mis sur du bois, sur une planche en bois. Et en remettant le papier, il faut que celui-ci soit bien plaqué à la ponceuse. Il ne faut pas qu'il y ait des appels d'air parce que sinon, ça va super mal poncer. Ça va abîmer en fait le papier et le meuble par la suite. Donc voici le résultat après ponçage. J'aurais pu laisser le meuble de cette couleur et ajouter un vernis. Mais moi, je le voulais vraiment blanc. N'oubliez pas, avant de mettre la sous-couche, il faut bien nettoyer votre meuble, le dépoussiérer. Donc c'est ce que j'ai fait avec un petit chiffon. Pour la sous-couche, j'ai pris celle de Liberon qui est spéciale boitanique, donc comme le mien. Elle est vraiment géniale car la couvrance est top. Et elle permet de stopper aussi les taches jaunes qu'il peut y avoir au moment de la peinture. Parce que c'est vrai que sur ce genre de bois, il y a beaucoup de taches qui peuvent apparaître. J'ai pris aussi un pinceau qui vient de chez Action. Il est vraiment pas cher et top en plus. Il coûte moins d'un euro. Personnellement, j'ai choisi de le faire au pinceau et non au rouleau car je préfère le rendu. J'aime voir en fait les traits du pinceau, je trouve que ça donne beaucoup plus de charme qu'un rouleau. Je déteste ça, je trouve ça pas du tout beau. Donc pour peindre, comment je fais? J'applique la sous-couche toujours dans le même sens. Je ne fais pas de croix comme il faudrait peindre par exemple sur un mur. J'étire la peinture au max. Donc pour moi c'est vraiment l'étape la plus importante, c'est cette première couche en fait, puisqu'on va suivre tout au long de ce processus les traits engendrés par celle-ci. Ma méthode, c'est que je commence toujours par l'extérieur puis l'intérieur parce que j'ai toujours peur de manquer de peinture et de pas finir le meuble. Parce que bon, la première chose qu'on voit c'est l'extérieur du meuble et pas l'intérieur et voilà, je fais du plus visible au moins visible, on va dire ça comme ça. Du coup c'est ma méthode, d'abord extérieur puis intérieur. Voici le résultat de la première couche et vous pouvez voir que c'est plutôt pas mal. Et j'ai utilisé la moitié du pot. Au niveau quantité, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment utiliser la moitié et pas plus, pas moins. On laisse sécher 6 heures, puis on revient poncer avec un grain fin le meuble pour ensuite appliquer la deuxième couche de sous-couche. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Poncez un petit coup, nettoyez le meuble. Donc faites gaffe surtout aux coulures, aux recoins, c'est hyper important. Après que ça soit bien sec, généralement, j'attends une nuit. J'attaque la peinture. Je prends toujours cette marque-là, Liberon, en teinte blanc albâtre. Et je vais peindre avec mon pinceau roulor. Ça, c'est très très bien comme pinceau. Après, vous pouvez très bien garder le même pinceau que pour la sous-couche. Mais roulor, j'ai beaucoup aimé ce pinceau. Il est vraiment très très bien. Donc n'oubliez pas de bien mélanger la peinture, même la sous-couche, hein, je vous l'ai pas dit, mais il faut bien mélanger. Et puis bah c'est parti pour la peinture. Je refais exactement les mêmes gestes que pour la sous-couche. Je suis tout simplement les traits que j'ai fait avec la sous-couche. Oh.
gardez votre pinceau en bon état pour la deuxième couche, mettez-le dans un bocal ou un verre ou je sais pas, une bouteille en plastique comme moi avec de l'eau. Et dès que vous le réutilisez, rincez-le et mettez un petit coup de sopalin pour l'éponger. On attaque alors la deuxième couche après avoir attendu 4 heures. Et vous pouvez voir que le résultat est impeccable, le blanc est vraiment joli. Petit conseil, essayez de garder un fond de peinture, vous allez voir, ça va nous servir juste après. Pour le vernis, alors moi c'est l'étape la plus importante aussi avec la sous-couche, il faut vernir vos meubles. Moi j'ai pris encore Libéron en satin incolore, mais pour moi c'est pas le meilleur. Libéron là-dessus c'est pas les meilleurs, parce que la difficulté de ce vernis c'est qu'il faut faire vraiment hyper attention aux coulures, puisqu'elles sont jaunes. Donc blanc et jaune c'est pas ouf hein, donc faites super attention. Et encore pour le vernis je fais la même méthode, je suis les traits de la sous-couche et de la peinture, puis je vernis donc tout mon meuble. Et voilà ma petite technique pour faire sécher les portes, je les ai collées sur les poignées de la comment on appelle ça là, de la brouette. Le résultat est plutôt joli, satiné, et j'ai utilisé la moitié du pot. Si vous voulez faire deux couches de vernis, il faut attendre 8 heures et ensuite attendre 12 heures pour un séchage optimal. Perso, j'ai pas fait de deuxième couche. On va ensuite passer aux portes. Alors tout d'abord, il faudra une toile de jute. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser ce genre de tissu qui est assez difficile à travailler, on va pas se mentir. Le problème avec ce genre de tissu, c'est que si tu le coupes, bah ça s'effiloche et c'est une catastrophe pour avoir. Du coup, voici ma solution. Il faut mettre de la glu. Vous pouvez faire un essai comme moi j'ai fait là par exemple. Mettre de la glu et découper. Vous pouvez voir que ça tient super bien. Pour la glu, faut le mettre sur tout l'encadrement de la porte. Donc j'ai mis de la glu pour vraiment que tous les coins du tissu soient imbibés de glu. Faites attention de pas en mettre trop, sinon ça va déborder sur la partie visible du tissu. Donc moi j'en mets bien sur les extrémités. Donc ce qu'on veut, c'est pas que ça colle à l'encadrement, mais plutôt que ça ne s'effiloche pas au moment du découpage. Pour fixer ce tissu, on a tout simplement agrafé. Et c'est vraiment la meilleure solution. Quand vous agrafez, tendez bien le tissu pour pas qu'il gondole, donc soyez à deux pour le faire, car tout seul, vraiment, c'est galère. Donc voilà le résultat sans avoir mis les baguettes. Donc vous pouvez voir qu'il faut encore découper tout le contour, parce qu'il y a des petits morceaux qui dépassent avec les petites baguettes. Donc après avoir découpé, il faut mettre ces fameuses baguettes. Il vous faudra des petits clous. Vous savez, c'est les petits clous qu'on utilise pour les fonds de meubles. Moi, ça me saoule à chaque fois de mettre, mais moi, j'en ai gardé et je les ai réutilisés, en fait, pour bien fixer mes baguettes à mon meuble. Je trouve que le résultat est beaucoup plus propre avec des baguettes, mais vous pouvez voir qu'il y a encore des petits chocs. Voilà, il y aura toujours des petits chocs à chaque fois. Et c'est là qu'intervient ma technique pour les finitions. Vous pouvez prendre un petit pinceau, mais ma technique fonctionne mieux, je trouve. Donc prenez un gant, le gant que vous avez utilisé pour peindre par exemple, prenez le restant de peinture que vous avez gardé et trempez votre doigt dedans pour faire vos finitions au doigt. Alors mon père, il m'a regardé d'une manière en mode « Mais Elisa, qu'est-ce que tu fais? T'as des pinceaux, utilise-les. » Mais j'ai dit « Non papa, franchement je préfère ma technique, elle est beaucoup mieux, on ressent bien les petits trous, les petits défauts que l'on peut combler facilement avec le doigt. Franchement j'aime trop, j'aime beaucoup trop au doigt. » Alors je monte l'avant après, donc là c'est l'après. Et voici le avant, et franchement, il n'y a pas photo. Et si vous avez peur de tâcher le tissu, prenez un petit morceau de feuille abrasive et vous le coincez entre la baguette et le tissu. Donc je trouve que cette technique est plutôt bien, même si j'avoue, mon père, il m'a bien jugé. Et voici le résultat final, je le trouve magnifique. Il est moderne et à la fois ancien, il est sublime. Le avant-après est juste dingue, je trouve. Alors il m'aura coûté quand même 100 euros environ et 5 jours de taf, donc ça prend beaucoup beaucoup de temps à refaire un meuble, hein, c'est hyper long. Je trouve que c'est la sous-couche qui a pris beaucoup de temps, puisque c'est une texture assez épaisse. Il faut bien étirer la matière et ça qui est compliqué, ce qui est fatigant. Donc voilà pour ce relooking, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, ça me ferait super plaisir et vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et je vous mettrai aussi d'anciennes vidéos qui s'afficheront aussi juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.